La compétition Dreamcast Show saison 2 se poursuit. Réunis au château Dreamcast Show à Yaoundé pour suivre une formation en jeu d'acteur, les candidats ont participé à la réalisation de 3 courts-métrages. Ceux-ci devront servir d'examen pour éliminer 2 candidats. C'est sous huis clos qu'ils se réunissent pour faire le bilan des prestations des candidats et de leurs différents parcours dans cette télé-réalité. La petite Océane, ce n'était pas facile. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette petite fille. Je lui ai demandé de reprendre carrément. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. C'est très difficile d'avoir quelqu'un qui met tout le monde, qui contrarie tout le monde, qui met ses collègues, ses camarades mal à l'aise, qui met l'équipe technique mal à l'aise, qui met vraiment du bordel dans la pièce et aller même jusqu'à bagarrer. Départager les prestations des candidats est un travail des plus importants pour faire un classement objectif. Le niveau de certains candidats reste à désirer alors que d'autres se démarquent peu à peu. Je vous ai fait venir là, c'est juste parce que il fallait un peu qu'ensemble, nous voyons le cas de Océane, une dame, et je vais donner la parole à chacun de dire un peu ce qu'il pense, parce que là nous sommes arrivés à un niveau de crise qu'il faut prendre une décision. Merci. Bon, pour ma part, moi je pense personnellement que cette fille a déjà dépassé les limites. J'ai dû la supporter toute la journée durant mon cours avec sa crise qu'elle a dû faire avec ses camarades. Je croyais, après la petite assise qu'on a eue, je croyais avoir trouvé une solution au problème. Mais c'est plus tard que j'apprends que, en fait, c'était beaucoup plus grave et qu'ils sont arrivés jusqu'aux mains. Vraiment, ce genre de comportement, pour ma part, est vraiment insupportable. Moi, je vais qualifier cette fille. Je ne parviens pas à trouver un registre dans lequel je vais situer Océane. Parce que c'est une fille qui... J'ai l'impression qu'elle est partie pour venir, je ne saurais dire espionner, pour venir s'amuser, perdre son temps, voir comment ça se passe ou je ne sais pas trop. Parce que je ne la comprends pas en fait. Elle, professionnellement parlant, elle n'est pas là. Sur le plan professionnel, c'est-à-dire nous sommes dans une compétition, elle doit mettre, même quand on regarde son travail, il y a toujours, oui, elle a de la prestance, elle est même parfois présente devant la caméra, mais bon, on sent toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'est pas là, elle est déconnectée. Et maintenant, sur le plan personnel, ou je vais dire même sur le plan du métier, c'est-à-dire nous sommes dans une télé-réalité et on sait que tout ce qui se passe généralement sur un plateau de tournage, ça reste là, c'est comme on dit, on s'amuse, on blague, on fait des trucs. Mais si une personne arrive à sortir des secondes simplement parce que
Sa camarade lui a fait une petite blague qu'il y a un truc qui ne tient pas dans ta tête. Même du cinéma, je ne vois pas sa place, selon moi. Parce qu'une fille qui va arriver sur un plateau de tournage, on va lui lancer une insulte, elle va sortir de ses gonds, commencer à bagarrer, commencer à faire des choses. Elle va tout casser en fait, selon moi. Elle va casser les caméras, casser les lumières. Là, il va falloir des gens juste pour la maîtriser et ça va aller dans tous les sens. Donc, moi je ne la vois pas dans le métier en tout cas. Ça c'est selon moi, je ne la vois pas dans le métier. Ok. D'accord. Là, moi, je suis d'accord avec l'une et l'autre. Nous sommes d'accord. Et ce que je peux ajouter là, c'est que le gros problème que j'ai avec elle jusqu'ici, c'est que elle ne s'entend avec personne de son équipe, ni un candidat, ni un membre de l'équipe technique, ni même nous. Elle ne connaît pas l'autorité. Elle ne sait pas où il faut qu'elle s'arrête, où il faut blaguer, quand il ne faut plus blaguer. Et elle n'a pas encore mesuré que nous sommes dans une compétition. Quelque part, peut-être, on a vu quand même qu'elle a un brin de talent qu'on peut véritablement porter haut. Mais, disons-nous la vérité, on a dit dans notre Dreamcast Show que ce que nous voulons plus, ce n'est pas de créer le meilleur acteur. Mais c'est de créer l'acteur le plus discipliné dans son domaine. Bon, c'est décidé alors. On est d'accord. On est d'accord. Ok, merci. Aujourd'hui, donc, nous procédons aux éliminations des candidats les moins performants, comme de tradition dans le Dreamcast Show. Bon, on est déjà quand même, on a assez avancé dans les enseignements et tout des modules. Et à mi-parcours, donc, il est nécessaire de faire cette évaluation qui remet un peu les pendules à l'heure. D'abord pour ceux qui se sont laissés entraîner à la fainéantise, qui ne veulent pas évoluer malgré qu'on les bouscule, et pour ceux qui n'ont pas évolué du tout. Donc il est donc l'exercice c'est pour remettre les pendules à l'heure, pour récompenser la performance, parce que c'est important également pour ceux qui font bien d'être récompensés. Et ceux qui font mal de le savoir, d'éliminer vraiment ceux qui n'ont pas du tout évolué et ceux qui sont médiocres, de les bousculer. Parce que l'élimination a quelque chose de particulier que c'est là que le candidat sent en réalité ce qu'on appelle la compétition et le Dreamcast Show. Je suis un peu déboussolé, je suis pas très content parce qu'aujourd'hui on va devoir se séparer de deux personnes. Moi j'ai l'habitude de m'attacher aux gens et du coup toute cette équipe, je vais dire tous ces candidats, je m'étais déjà attaché à eux, donc du coup ça va faire mal. Bon, si nous sommes réunis ici, c'est au lendemain des tournages, nous avons visionné et aujourd'hui nous devons prendre la décision. Donc nous allons essayer de prendre candidat après candidat pour voir qui peut rester, qui peut porter valablement le flambeau du Dreamcast Show saison 2 demain, qui va nous représenter comme nous sommes fiers de certains aujourd'hui. Il faut aussi qu'on soit fiers de ces personnes. Donc, il faudra qu'on décide en âme et conscience, que ce soit beaucoup plus objectif que subjectif, qu'on laisse tout ce qui s'est passé jusqu'ici, mais qu'on décide véritablement qui on veut garder dans la compétition, au moins pour ce départ. Merci. Donc, on peut ouvrir les débats. Déjà, les films d'hier, bon, moi, je suis satisfait
du travail que nous avons déjà fait pour les une minute. Ça passe, c'est bravo. Bon, maintenant, comme ce sont des prestations collectives, nous allons dire, pour moi, ma classification est d'abord le film Sacrilège, où Thérèse a joué avec Ismaël. Ça, c'est pour moi, c'est le meilleur jeu là-bas. Il y a donc aussi le film dont La Perte, où Karina ici, elle s'appelle comment encore, j'oublie son nom. Oui, Dorothée, il y a aussi Farik, dont les trois. Et l'autre, c'était donc le dernier qui est, je crois, L'Imposture, à savoir Gustave et Océane, voilà. Voilà un peu moi, ma classification des films en termes de prestations collectives. Bon, moi, en ce qui concerne les films, en termes de prestations, vraiment la meilleure performance revient à ce coup-là, qui est Sacrilège. Franchement, ils ont travaillé et ça se ressentait. Il y avait du génie dans chaque personne qui est interprétée ou incarnée un personnage. Et en termes de... une très belle histoire, mais bon, les comédiens de La Perte sont restés moyens. Moyens même, c'est, je dirais même, c'est trop donné, à mon avis. Mais, comme on dit, ce sont des apprenants. Et pour moi, pour ne pas être un peu trop dur, je ne sais pas si je suis trop dur, il n'y avait qu'un film de manière pratique. C'est Sacrilège. Le reste, je ne veux même pas parler de L'Imposture. Il n'y avait pas d'interprétation. Pour moi, c'est... J'ai vu un film hier, un seul, Sacrilège, au niveau de la prestation. En ce qui me concerne, moi, je vais plus me focaliser sur les prestations individuelles de chaque acteur. Et moi, le jeune Ismaël Momra m'a beaucoup marqué, vu sa jeunesse et sa spontanéité dans le jeu. Moi, c'est quelque chose, si je dois procéder au classement, je le classerai en premier. Sur ton classement, moi, je ne vois pas trop Momra encore. Peut-être il est en devenir. En lui, il y a ce qu'on appelle vraiment un génie caché qu'il est en train de vouloir exprimer ici comme ça. Parce qu'il a compris lui aussi que le Dieu cachot lui donnait une chance de pouvoir ressortir ce qu'il avait enfui depuis. Donc il a d'abord un génie personnel et c'est la personne qui peut facilement te répéter chaque coup, pas au moindre détail près, mais je dirais à 80%. Parce que tu lui poses... Mais Iboudé, il est encore jeune, Mike, par rapport à tous les autres. C'est donc son avantage. On ne va pas l'empêcher de jouer de cet avantage-là, qu'il a encore un cerveau qui lui permet de retenir facilement. Donc, et il sait utiliser cet avantage. Oui, c'est vrai que je l'ai mis devant le fait là une fois pour essayer de tester. Il faut pleurer et directement il s'est transformé en la fondue. Mais moi j'ai eu la chair de poule. C'est le seul qui m'a donné de la chair de poule hier. Ce garçon, depuis le premier jour, je le vois comme un génie en fait. Et en second lieu, je classerai Thérèse Ayon. Je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, ils sont dans le même film. Bon, si. Ils sont meilleurs. On va pas inventer. Celle que je vois vraiment qui peut porter haut l'étendard, c'est cette fille qu'on appelle Thérèse. Pour moi, c'est vrai que c'est personnellement par rapport à la spontanéité, parce que au module, tous les modules qu'on a fait jusqu'ici, la bravée jusqu'ici, et en termes de comportement. Vraiment, c'est quelqu'un que tu sens qui a souffert et quand on lui donne une chance comme ça, ça passe. Troisième position pour ma part, je prendrai quand même le film L'Imposture, hein, de Gustave Biature, parce que c'est quelqu'un, je vois combien il fait des efforts, il évolue bien,
Et c'est ce que nous voulons. Généralement, dans ce genre de choses, ce n'est pas forcément le génie qui s'en sort le mieux. C'est celui qui a le plus de détermination qui s'en sort. Moi, je le classerai donc en troisième position. Il n'a pas fait la meilleure prestation. Mais pour ma part, c'est le meilleur. C'est d'abord un homme qui est mature dans sa tête. Il respecte. Donc, il a une hygiène de vie contrôlée. Il ne fait rien en désordre. Il fait tout de manière ordonnée. Ce monsieur, pour moi, il est bon. Il n'a pas peut-être le grand talent. Mais ça, au cinéma, quand on a de demain, peut compter sur lui. Je suis sûr. Gustave, moi, je suis très content de Gustave parce que c'est quelqu'un qui a la niaque. Il a une volonté de faire. C'est quelqu'un qui sait exactement depuis le début pourquoi il est ici. Et sur le plateau de tournage, il s'est bien comporté, malgré, parce que toutes les plaintes, il m'a rapporté les plaintes, Océane ne travaillait pas avec lui, Océane le snobait, Océane n'a pas écrit le scénario avec lui. Bref, le gars était seul, quoi. Et il fallait, je lui ai dit que quand il y a des prestations collectives, à un moment, si tu ne peux pas, tu vois que ton partenaire veut t'entraîner, veut te tirer par le bas, il faut maintenant que tu remontes. Parce que véritablement, c'est une prestation collective, mais aussi une prestation individuelle. C'est pour ça qu'il y a le meilleur acteur, le meilleur second rôle pour différencier. Position, je vois bien Karina ici. C'est vrai qu'elle fait un peu l'horoscope de parfois elle performe, parfois c'est pas toujours ça. Néanmoins, quand même, elle a été moyenne. C'est vrai que j'attendais beaucoup plus d'elle, mais elle a été moyenne et je la classe en quatrième position. Karine, pour moi aussi, je suis d'accord, c'est ma plus grosse déception parce que j'attendais beaucoup d'elle. Et hier, pendant le tournage, elle l'a compris. C'est pour ça que vous avez vu un moment, elle me disait qu'elle était déjà malade. Elle, quand elle ne fait travaille pas bien, elle tombe malade une fois. Et ce genre de personne qui ne peut pas porter la pression, vraiment, ça, ce n'est pas le genre de personne. Parce qu'on sait combien le tournage est stressant. On sait combien les personnalités s'entrechoquent dans les tournages. Donc, si on a une Karine, je ne sais pas trop comment faire. Karine, je ne sais pas pourquoi elle laisse le stress dominer. Karine a pris le stress, elle l'a mis au-dessus, elle a oublié qu'elle peut s'amuser avec son texte. C'est vraiment la plus grosse déception. Pour ma part, Karine devait donner mieux que quiconque. Parce que quand tu vois Karine, tu as l'impression qu'elle va sortir pour jouer en cet moment. Quelque chose la retire par le bas. Elle dit non, je ne vais pas faire ça. En cinquième, je verrai Farik. Lui, il me déçoit un peu parce que je sais qu'il a quelque chose. Mais il fait l'acteur horoscope. Selon, je ne sais pas moi, les humeurs ou les astres, il performe et de temps en temps, il chute. Mais il faut reconnaître également sa barrière de langue qui est un grand problème pour le diriger. Parfois, il a du mal à assimiler ce qu'on lui dit et tout ça. Bon. Je le classe d'été, c'est la cinquième place, c'est ça? Voilà. Farik, quand on l'a casté au Dioga Palace la dernière fois, vraiment, il avait une prestation de ouf. On a l'impression qu'on l'a brouti même davantage. Vous voyez un peu? Donc, on l'a brouti. C'est comme si ce qu'on lui donne, au lieu que ça le permet d'évoluer, le gars, lui, il s'abrutit davantage, il devient con même à la limite. Parce que même donner un texte, il n'arrive plus à donner même. Bref, il est comme tétanisé, bloqué, je ne sais pas trop pourquoi il y a un truc qui cloche en lui en fait. Farik, pour ma part, franchement, s'il faut mettre quelqu'un en dernière position, dans ma tête c'est Farik. C'est pas un problème de langue. J'ai regardé Farik jouer. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose en ce garçon? J'ai regardé. Farik, au niveau de son expression faciale, il veut mélanger tout. Il veut, en fait, il est perdu.
J'ai l'impression, comme tu disais tantôt, que les coups qu'on lui donne l'aboutissent davantage. En fait, je ne comprends pas ce garçon. Je ne me vois pas. À l'intérieur de moi, je ne me sens pas, en fait. Ainsi, cette position, donc, je vois Virginie. Jusque-là, avec tous les efforts que nous avons faits pour qu'elle puisse sortir d'elle-même, son visage, pour ma part, reste vide. Elle manque beaucoup, elle manque d'émotion. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ça, c'est une compétition. On ne va pas aller de mamante. Soit tu performes, soit tu ne performes pas. Je la classerai, moi, en sixième position. Et là, je... Parce que je l'ai classé. C'est le même genre. Merci. C'est même personnalité. La même chose, ces deux personnes. Tu vois, Virginie, à un moment, elle est sortie. Elle a un potentiel qu'elle... Sa personnalité empêche son potentiel de ressortir. C'est ça son seul problème, sortir de son éducation, accepter l'éducation du cinéma, c'est la seule chose qui bloque ce trou. C'est la seule et unique chose. Et ça, je ne pense pas que ça entre dans les règles du Dream Cast Show. Je ne crois pas. Dernière place, Océane qui vraiment est carrément perdue. Avec tout ce qu'elle a accumulé là, côté comportement, et on sent qu'elle n'a pas travaillé. Et là, je sais pas, elle est dernière. Quand on ne travaille pas, ça se voit comme un bouton sur le visage. Donc voilà à peu près moi, mon jugement. Je vais beaucoup plus m'attarder sur Océane d'abord. Océane, quoi qu'on dise, elle a du talent. C'est une réalité. Océane a un petit truc. Mais le gros problème d'Océane, c'est que Océane est tellement dispersée. Océane est tellement méprisante, tellement hautaine. Donc, ce que je peux prendre ici comme bémol à sa personnalité, en réalité, c'est elle-même. Elle est le frein, elle est l'obstacle à son développement et tout cela tue donc son génie. Elle a une espèce de suffisance, une suffisance qu'on ne comprend vraiment pas où ça vient. C'est un peu... Vraiment, elle m'a déçu et vraiment, pour moi, c'est le comportement. Il y a aussi le talent qu'il faut qu'on ne sacrifie pas. Donc, je voudrais vraiment qu'on regarde ça un peu ensemble et qu'on voit est-ce qu'on va sacrifier, est-ce qu'on ne va pas sacrifier. Là, on va essayer de prendre la décision. Notre chère fille, qu'on appelle Océan, elle a un énorme potentiel là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est le génie, en fait. C'est comme Ismaël, mais en version négative. Alors. Parce que elle... Donc on va dire un mauvais génie alors. Le très bon, le très mauvais génie. Elle peut tout faire. Elle peut incarner n'importe quel personnage, cette fille. Mais elle est tellement unie de sa personne qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire. À l'instant, elle ne connaît pas s'arrêter. Tout le monde peut commettre des bêtises, nous sommes d'accord. Il faut savoir s'arrêter. C'est clair. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en train d'exagérer, de marcher sur les autres. Non, ça, elle ne le sait pas. Et quand elle sait qu'elle a commis une grosse bourde, elle veut flatter, elle veut jouer de notre psychologie, comme je ne sais pas comment exprimer ça. Je dirais même de la corruption. Donc, là-dessus. Et un acteur, surtout le rêve du DCS, c'est pas trop... Comme on se dit, on a l'habitude de le dire, de sortir les grands génies. Parce que les génies, il y en a, et il y en aura. Mais c'est de bâtir un être humain qui peut défendre l'image du truc caché dedans. Et je ne la vois pas là-dedans. Et, ouais, et même de tout le cinéma. De tout le cinéma. Je ne la vois pas dedans, c'est une bagarreuse. Ok, je crois qu'en guise de conclusion, on sait ce qu'on a à faire. Okay. On va donc qui part. Partent. On va donc les appeler pour en finir quoi. Ouais. Merci.
Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.